Et salut à tous les amis, c'est Dark Nexus Exo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur, pas sur Rainbow, mais je vous mets le gameplay du 2vs2 en entier. Et actuellement, ma dernière vidéo a fait à peu près 59 vues, donc je suis assez content là-dessus. Mais je suis assez mécontent de certains commentaires, par exemple à certaines personnes qui vont se reconnaître, et ils ont intérêt à se reconnaître. Par exemple, MXTFun67, donc... j'aimerais bien voir ton pseudo, donc je vais aller faire un petit tour sur ta chaîne pour que je te puisse donner le lien de ma vidéo. Comme ça, au moins, tu comprendras que ce que tu dis n'a aucun sens, parce qu'on va lire tes commentaires, et oui, on va lire tes commentaires. Donc, ton pseudo, c'est Nucléaire Toxi. Donc ça va être super. Donc maintenant que j'ai ton pseudo, je vais pouvoir te donner le lien de la vidéo. Donc on va aller lire tes petits commentaires donc sur ma vidéo. Hop, on va faire un petit tour. Par exemple, le tout premier commentaire, tu as honte ou quoi? Tu passes toutes les manches. Si tu es nul et que tu fais défoncer un 2vs1, c'est que tu es vraiment nul, autant ne pas sortir la vidéo. Alors déjà, d'une, je garde le meilleur de ce qui fait partie de ma vidéo, je garde le meilleur point pour vous montrer mon opinion et de vous montrer que c'est lui qui a commencé. Et c'est lui qui m'a bien provoqué en 2vs2 et que normalement quand on fait un 2vs2, on reste 2vs2 et pas en 2vs1. Donc normalement, on est censé gagner. Mais bon, là, on a continué pour le fun. Et bien sûr son pote c'est lui qui l'a fait ramener hein. C'est pas lui qui s'est ramené. C'est lui qui l'a obligé de participer à 2vs2. Parce que bien sûr t'es pas cap. Bien sûr GunWar55, tu n'es pas capable de faire un 1vs1. T'es obligé d'avoir quelqu'un avec toi. Donc on peut dire que t'as pas de balls. Déjà il a pas rage quit. Car dès que tu l'as tué il a pas quitté. Mais il a quitté 20 secondes après. Il a pas quitté. Mais il a quitté. Si, il a quitté. Parce que c'est pas logique de dire qu'il a pas quitté. Il a quitté 20 secondes après. Et déjà, comment tu le sais que c'est 20 secondes après? T'as compté? Parce que si tu sais compter jusqu'à 20, putain, bah moi je te donne une médaille et puis un 20 sur 20. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur toi. Je te ferai passer le lien de ma vidéo en retour. On va parler aussi de Alien Diva. Salut mec, que dis-tu du niveau de GunWar55? Commence à parler poliment de lui, merci. Sur ce, on se revoit dans 96 heures. Ah aussi, oublie pas que tu as 14 ans en grand max et que tu peux pas faire partie de aucune team car tu es trop jeune, l'enfant. Alors pour te dire, dans 96 heures, ça veut dire quoi ça? Dans 96 heures, tu vas te ramener chez moi, tu vas me buter la gueule, c'est ça? Parce que moi, je vais te dire, j'ai pas peur des menaces. 14 ans, donc déjà tu fermes ta gueule, j'ai 18 ans, je suis né le 17 août 2000, donc tu pourras compter. Donc si toi aussi tu sais compter, tu auras aussi un joli 20 sur 20. Et je ne peux pas faire partir de... aucun team, déjà pas aucun, c'est aucune. Donc toi aussi t'as un putain de 20 sur 20 pour ton orthographe, je te félicite. Car tu es trop jeune l'enfant. Donc je suis actuellement dans une team qui s'appelle la Trinity. Donc ça aussi sur un point, je vais te faire fermer ta gueule. Je te passerai le lien de ma chaîne en retour. Donc j'espère que tu la verras et que tu comprendras ce message. Et pour en finir hein, donc je vais vous faire passer un petit dernier message à GunWar55, que je te ferai passer le lien de la vidéo aussi. AgarNoir55, AMXT Fun67, ou plus précisément Nucléaire Toxique, et Alien Diva. Donc je vous ferai passer le lien de ma vidéo à vous trois pour vous dire un dernier message, que vous devrez tous vous fermer votre gueule, que vous avez pas le droit de défendre cette personne parce que c'est lui qui m'a provoqué en 2vs2, c'est lui qui m'a TK. Ou après vous allez me dire oui mais bon TK toi aussi tu l'as déjà fait sûrement, gnagnagna. On l'a tous fait, ok, mais il y a une limite. Par exemple lui il m'a TK juste parce que j'allais détruire un drone. Si c'est pour les défis, t'as qu'à chercher toi-même. Moi, je cherche moi-même, j'emmerde personne. Donc, après, tu m'as TK, ok. Mais me provoquer en 2vs2 pour me dire que j'ai peur de toi, mec, on en reparlera. Et en plus, j'attends toujours ton 1v1. Donc, moi, ça me ferait plaisir que tu fasses un 1v1 et que tu prennes tes couilles sur toi et que tu viennes me voir. Et que tu prends pas un autre partenaire comme t'as fait la dernière fois. Parce que ça, c'est un petit peu... tu portes pas tes balls, quoi. Et aussi un dernier message à Alien Diva et MXTFun67, ou plus précisément Nucléaire Toxique, que vous devez défendre les bonnes personnes, que vous devez arrêter de le sucer, mais cordialement, parce que là vous le sucez bien là pour tout vous dire. Que tout simplement vous défendez la mauvaise personne parce que c'est lui qui m'a provoqué en 2vs2, c'est lui qui m'a dit que j'étais un noob, c'est lui qui m'a TK.
et vous défendez quand même cette personne. Donc je suis pas sûr que vous êtes des bonnes personnes aussi. Donc je préfère honnêtement le comportement de Gunwar 55 que votre comportement. Et ça, pour tout vous dire, vous avez même pas le courage de venir aussi. Parce que si moi vous voulez un investissement sur Rainbow, je vous attends, pas de souci aussi. Moi je vous attends aussi. Donc mes chers amis, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc pour tout vous dire, ce petit message. Donc j'espère que vous l'apprécierez mon message, parce que c'est de bon cœur. Regardez, c'est sorti du cœur. Voilà, donc c'est vraiment sorti du cœur. Donc j'espère que vous l'aurez en tête, ce petit message. Donc si vous aurez besoin de me parler, que ça soit sur PlayStation ou sur YouTube, allez-y, venez me parler, venez me provoquer en 1v1, il n'y a pas de souci, je vous attends de pied ferme. Et là cette fois-ci, je vous ferai bouffer, bouffer le parquet à vous trois, mais un par un. Parce que si 1v3, c'est pas très legit quand même. Pas par peur que j'ai peur de me faire défoncer. Par peur que je veux juste vous voir vous défendre seul. Surtout toi, Gunwar55. On se revoit très prochainement pour un petit 1v1. Allez, à plus les gens. Merci d'avoir écouté ce message. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.